à manger, non? Attention, gribouille, des humains. Pour que nos vœux les plus chers se réalisent, ma chérie. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font, Pablo? Eh, je sais pas, Bonnie. Peut-être qu'ils nourrissent les poissons. Espérons. Qui a parlé de nourriture? Je meurs de faim. Ouais, moi aussi, Gribouille. J'ai faim. J'aimerais bien manger. Alors, c'est le moment de faire un vœu, les petits. Oh, c'est Maribou. Les humains que vous avez vus faisaient un jeu pour que leurs vœux se réalisent. On n'a qu'à faire comme eux. Je fais le vœu de manger un bon repas. Je fais le vœu de trouver un nouvel ami. Et moi, je fais le vœu de toucher la lune. Quel drôle de vœu, cher petit. Mais c'est seulement un jeu. Ne le prenez pas trop au sérieux. Oh, j'en étais sûre. Je vous promets que si jamais la lune tombe du ciel, tous vos vœux seront exaucés. Ouais, ça n'arrivera jamais. Qui sait? Rien là-dedans. Rien par ici. Rien là-dessous. Oh, et par là. Tiens. Attention. Oh, oh, oh. Oh là là. Pablo, Bonnie, venez vite. Il s'est passé quelque chose de magique. C'est la lune, elle est tombée du ciel. J'ai touché la lune. Mon vœu s'est réalisé. Alors moi, je vais peut-être... T'as entendu? Ouais. Oh, le caillou. Bah, il tombe en morceaux. Oh, c'est un bébé oiseau. Voilà ton nouvel ami. Ton vœu aussi s'est réalisé. Maribou avait raison. Il y en a assez pour tout le monde. Regardez, la lune est repartie dans le ciel. Oh. Il dit que les vœux se réalisent quelquefois.